putain de merde, non mais non. Arrête d'avancer, tête de con. Putain. Je vais me poser là. Allez, on tente de se poser. Pourquoi il accélère autant? Non mais il n'accélère plus. Il n'accélère plus. Putain, comment je vais pouvoir me poser? Je sais même plus où est-ce que je suis. Il n'y a pas de radar. Ok, on va repartir là-dessus. Oh putain, je sens que je vais aller dans le mur. Ok, c'est un peu comme un hélicoptère, sauf que... on n'a pas l'information sur le sol. Bon, on peut pas regarder vu qu'on n'a pas de baie vitrée. Ok, je suis pas mal. Enfin... putain, ça paraît tout petit par rapport à mon vaisseau, quoi. Ok, on se décale. Non, pas trop. Allez, doucement, doucement. Ok, on va... aller progressivement. Ok, on avance un peu. Putain, c'est vrai que avec la focale, on a l'impression que c'est tout petit. Allez, là, je devrais être bon. Putain, non, non, comme ça. Non, je suis pas bien, j'avance encore. Allez, là c'est pas mal. Là je le sens bien, là. Je sais pas pourquoi je le sens bien. Allez. Non! Putain. Allez, là je crois que je suis bien là. Oh yes! Oh putain. Oh putain, je suis posé. Oh putain, j'ai réussi. Oh là là, vite, sortons de là. On coupe tout, voilà. Ouh, bon voilà, je suis enfin arrivé sur Arcorp avec le nouveau système. Le nouveau système Hoover là. Qui fait penser à un hélicoptère, vraiment, la façon de le piloter, la façon de bouger le vaisseau, c'est un peu, c'est très particulier, hein. Là, je suis qu'un tout petit vaisseau, mais j'étais aussi dans une toute petite place, donc après tout, ouf, pourquoi pas, bon, allez, on va aller se reposer. Vous êtes, je vois personne. Attends, je vais essayer de faire un câlin. Enfin, t'es à 700 mètres, t'es pas dans le même pad que nous, mais... Ah mais comme on a redémarré, ça m'a niqué tous mes chargeurs. Non. Pourquoi je les vois pas alors? J'aimerais bien faire un câlin à mon ours, moi. Quand tu dis ça, avec Bush, j'imagine des trucs. Ouais, mais non mais c'est vrai. Je te jure, dans ma couchette, au pied de ma couchette, il y avait un nounours, ouais. Il y a écrit Carrie. Qu'est-ce qu'un nounours fout dans la chambre de mec de ton âge? C'est ça. Surtout qu'il dort en armure lourde, donc autant te dire que... Le nounours? Non. Ouais, petit putain, nounours. Putain, je suis bloqué sur le chargement, fais chier. Drop inspect place. On va le placer. Quoi, c'est toi, Justar, qui va revenir? Bah ouais. Ah d'accord, c'est la Spare Weapon Magazine, ok. C'est ouf hein, quand même ce jeu. Oh merde, le pauvre, je l'ai mis dans mon matelas, il a disparu. Il n'y a plus que des pieds. Banja, ils ont pensé à toi. Moi, il m'est possible de prendre du gel douche et du déodorant. Oh. Donc je peux en prendre dans ma chambre. C'est pas fou, ça. Je suis sur le changement. Ah merde. Il fallait bien, hein. Ouais. Oh mais c'est la fête tout à l'heure sinon, t'as pas mis un bug déjà. Et toi le join friend il fonctionne? Dévastateur. Exit menu. Bizarre cette bouffe. Bon allez, on va acheter une arme. Lui, il y a un truc qu'on peut acheter, le Reauthorized. Quand je me suis reconnecté, ça disait qu'il restait. Je connais pas. Tu peux bouger? Je te rejoins, Tony. Ouais, non, c'est bon, je suis pas l'histoire. Tu bouges, ok, je me connecte. T'étais à côté de Banjo, l'histoire, c'est dommage. On va faire comme ça. Ah oui, c'est vrai, je suis à côté de Banjo. Ok, j'ai mon bus qui arrive. Je rejoins l'espace ou pas? Oula! Kaoga. Allez, c'est parti. Putain, ça rame. Sur la planète, il y a une ville qui s'appelle l'Orville.
Écoutez, je sais pas, je crois que je suis tombé sur deux fans là, deux mecs qui. Ils me lâchent plus quoi. Oh, chiotte. Je sais pas qui c'est. Fais gaffe, on a eu ça tout à l'heure. Ils sont rentrés dans le vaisseau avec nous. Il y en a un qui a pris les commandes. Ils sont sortis de la zone armistice et ils nous ont tiré dessus. Pour voler le vaisseau. Attends, add to contact. Je sais pas qui c'est. Bon, moi j'ai fait add to contact. C'est Kevin T. Kevin T, chef de partie. Ah non. Oh, c'est Kevin T qu'on a viré. Non. Ça m'a viré. Non. Ça m'a viré et c'est impossible de vous rejoindre. Non. Qu'est-ce que tu fais encore? C'est moi qui fais ça? Non, non, c'est pas toi. T'es sûr? T'es sûr? Attends, ouais, j'ai fait add to contact à un mec. Mais t'as le même truc que moi, bad token. C'est pas grave, tu peux join friend et ouais, tu arrives pour un travail dans la partie. Attends, j'ai peur là. Attends, y'a pas une touche pour voir les noms au-dessus de la tête là des mecs? J'en ai aucune idée. Add to contact. Juste les noms. Ça va, bon. C'est loin, bordel, Hearthstone. Ah ouais. Il est comme. Toi. Contact. Ah ouais, j'ai un petit vaisseau moi. Bah, moi aussi. Je sais pas, j'ai une tonne de contacts. C'est pas le 600i quoi. Ça, c'était du pauvre vaisseau. Ah, c'est pour ça que j'aimerais bien avoir le bêta, comme ça je pourrais aller derrière pour faire à manger ou du café. Tu veux faire mais à manger ou du café? Oula, 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 oula. Toi, je te vois bien le mec dans les bureaux. Je fais un café pour qui? Qui veut un café? Moi, c'est pareil, là, je suis en train d'imaginer Banja en train de faire à manger avec un. Un petit tablier? Un petit tablier, mais juste un petit tablier. Ah, oh! Oula! Tu vois? Tu me donnes des sueurs froides là. Avec un petit plateau, des tasses. Petit café, les copains. Petit café pétard. Le mec va pas te taper dans les cargaisons d'où il t'a. Un petit space cake. Ah, Banja, calme-toi. Le space cake. On a perdu 1000 balles avec tes conneries. Le mec il consomme la dope de la. C'est quoi. Avant, ah ouais. Et puis un jour il légaliserait la bœuf de l'espace et on montrait un coffee shop avec Banja. On l'appellera le Amsterdam Spaceport. Ouais, ce qui serait génial c'est que Star Citizen nous laisse l'opportunité de faire ça un jour si on veut, tu vois. Pouvoir faire nos propres règles dans notre. Je te vois bien là, créer une station entre deux astéroïdes. Oh putain, avec des putes et des tables de blackjack. Ah ouais, et du jus de pomme. Bon, je suis embêté, j'arrive pas à relancer le contrôle drag là, je suis au milieu de l'espace et. Merde! Recette. J'ai reseté, je viens de resetter la route et tout, il est chargé. Mais ouais. J'appuie sur la touche pour lancer. Est-ce que t'es bien aligné? Est-ce que t'as rien? Allez, on lance le mode ouvert. Ouvert de l'aspirateur. Coupe les moteurs, relance, recharge. Ouais, c'est ce que j'ai à faire, j'ai coupé les moteurs. Tu recettes la map, tu clear. Ah et putain! C'est... Ouais, c'est ce que j'ai fait, j'ai fait un clear. C'est super compliqué. Allez, on avance. Et là, il veut même pas charger le quantum là. Ah, ça y est. Ah, vaute la gueule par terre. Oh putain. Ripley est mort. Non, pas encore. Attends. Moi, j'ai mis les gaz. Encore. Le mec sera, tu vois. Non, pas encore. Attends, c'est bon. Attends, je vais quitter le mode hover. Ah, mais les gars, je me suis fait sortir du quantum trois fois. Ouf, c'est bon. Il va changer ma route, il y a rien de. Nickel. Ah, on se fait sortir. Ah merde, putain, c'est moi. No power. Putain, non, c'était à couper le pouls. Ouais, je suis dans la station d'ingénieur et puis en fait, je vois un bouton power off, donc putain, va éteindre la station d'ingénieur, je vais pouvoir me barrer. Et en fait, je peux pas me barrer. Je suis coincé dans la station d'ingénieur. Putain, comment je me barre de ce machin? Y. Ah merde. Mais quel connard quoi. Ah, c'est bon. Heureusement qu'on était les premiers. Ouh, je suis passé près là. Ouais, direction. Bon, comment ça, ce truc de tête. Bon, j'ai pris la mauvaise destination mais j'arriverai à côté. Et comment on enlève la vue libre?
Enfin, faut... Ah, moi, c'est W, long, faut que je le maintienne. La vue libre, c'est Z, je crois. Enfin, ZW. Plutôt. C'est W long, je crois, pour que reste un... Oh. Ou un double W. Je sais quitte l'atmosphère. C'est... Pourquoi il me dit obstructive? Tu vois un truc, toi, devant nous? Moi? Ouais. Entre Orston et nous, ça me dit qu'il est obstrué. Ouais, y'a moi. Sérieux? Eh putain, mais non! Je vais vers le sol! Non! Non, putain. Ah, voilà. Tac. M2. Ah oui, il perd de l'importance, en fait. Ah, d'accord, j'étais en train de décrocher avec mon Hornet. Mais, ils ont mis un espèce de modèle de vol? Bah, apparemment, ouais, je pouvais pas faire un... Ouais, le vol atmosphérique est un peu bizarre. Pourtant, il a des ailes, donc il devrait avoir de l'importance. Je peux me servir des WC de ton vaisseau, Tony? Oui, tu vas pas chier par terre. Non, ton moyen, tu te serais arrêté, j'aurais pissé au bord de la route. Au bord de la route. Tu remarqueras que moi, je te mets pas le même CD en boucle. Ah. Oh, il y a du vécu, là. Effectivement, je prends un certain angle quand même pour attaquer la... pour aller rejoindre l'atmosphère. Je peux pas décoller comme une fusée. Hein. Oh non, faut prendre un petit angle là pour sortir de l'atmosphère. C'est ça, ouais, mais enfin avec un chasseur, je pensais que... Putain, je suis pas... Je pensais qu'avec un chasseur, bordel, on pourrait quand même attaquer sévère, quoi. Faire un cobra, quoi. Je pense qu'il faut, faut bien 2 à 3 minutes complètes pour sortir de l'atmosphère. D'accord, bon. Fais chier, j'ai la police au cul maintenant. T'as la police au cul? Bah ouais, je sais pas, ils m'ont à peine sorti, ils m'ont tout de suite sorti de... De toute façon, on va attaquer un bunker, donc on est pas prêt de... On est pas prêt de rentrer chez nous, hein, c'est ça? Ah non, mais ils te sortent pour te scanner, c'est normal, c'est ça arrive. Enfin, ouais, mais c'est saoulant, quoi. Pour arriver au bunker. J'ai une sorte de bip-bip, là, c'est normal? Attends, on est pas encore au bunker, hein, calme-toi. Non, on est sur la route du bunker, je me suis repris. Alors, avec Lister, on est quand même aux abords de la planète. On attend sur pour faire une entrée atmosphérique ensemble, quoi. Je suis à côté, je suis à 15 millions de kilomètres. J'ai tendance à me branler, moi. Je fais quoi, là? On redescend pour voir. Attends, je vais te faire. Putain, cette toit est super dangereuse. Mais ouais, grave. Elle descend du toit, elle t'écrase, tu restes en dessous. T'as un petit autocollant. Attention. Ouais, levez la tête. Putain, mais le mec, il arrive comme une princesse, quoi. Il descend de son siège comme une putain de princesse. Bonsoir. Bonsoir. Non, j'ai voulu te montrer, c'est pas abusé le nombre de trucs que tu peux ouvrir. Mais si, j'ai vu quand je suis arrivé derrière. Sur là, tu vois. Regarde, pour les composantes, ça c'est pour les composantes de maintenance. Ça a été jam. Ouais, là, t'as une armurerie. Ouais, mais enfin, y'a pas beaucoup de vaisseaux qui en ont autant que ça, quoi, c'est abusé. Et puis y'a des couchettes, je peux pioncer. Mais ouais, bah je veux me faire scanner, je m'en fous. Dans ton vaisseau. Bah, c'est prévu pour deux, donc tu vois, y'a deux couchettes. Hein. Y'a le pilote et le gunner. Un chasseur biplace. Par contre, les chiottes. Vas-y, rentre. On peut fermer, non? C'est bon? Ouais, c'est large. Tu peux éjecter les toilettes après? Oh, putain. Et ça remerde. Putain, l'interface, quoi. La cellule de survie, c'est les WC. Oh, il y a encore un truc. Il y a le chiotte! Qui va chier, c'est bon. Ah oui, il y a le chiotte escamotable, quoi. Bien sûr. C'est trop bien, le campagne de l'espace, quoi. Ah, mais t'as chié sur le parterre de la douche, quoi. Ah bah ouais, moi j'ai chié dans la douche. Et si on fait slash en pipi, ça marche ou pas? Oh, ce mec. Incroyable. Non, mais non. C'est marrant, t'as la machine à café. Ouais, t'as vu, c'est pas dans les avions. Bon, allez, c'est bon, j'essaie de rejoindre. Pourquoi t'es où, Ryberry? Bah, en fait, je suis à peine sorti d'Arcorp que j'ai lancé le Quantum et je me suis fait contrôler. Et ça m'a sorti direct et ils sont passés à côté de moi parce qu'ils m'ont bloqué mon Quantum. Ah, c'est la police pour te scanner, hein, ça fait partie. Ah, ouais, c'est ça. Eh putain, ça me ressort encore. Ah, ils peuvent sortir deux fois, c'était reparti avant qu'ils aient fini de te scanner. Mais si, si, ils avaient fini. Il n'y avait plus de trucs de Quantum et tout ça marqué en haut à droite. Ah, ça y est. C'est des bâtards. Mais à l'avenir, on pourra mettre quoi? Bah, en fait, tu vas pouvoir enlever ça. Genre, là, c'est tous tes éléments. Genre, t'en as, c'est des boucliers, d'autres, c'est pas des parties moteurs. Et en fait, tu pourras les enlever, les remplacer pour les améliorer, tu vois, faire du tuning.
Tu mets ça. Soit tu pourras les remplacer quand ils seront. Je m'arrête là, je vais m'arrêter. Oh, regarde, t'as vu? Il y a même un emplacement sous les escaliers. Mais ouais, mais ça sert à quoi ça? Oh! Je suis pas mort? Non, je suis tombé. Putain! Ah, je suis retombé! Quoi, putain, il me tire dessus! Putain, mais j'ai rien fait, bordel! Je casse les couilles! Mais non, mais j'arrivais, je vais sur eux à 40 mètres par seconde! Putain, bon enculé! C'était des flics! Enculé! Allez, moi je me casse! On appelle Rayboy! Non, ça va! Franchement, si tu mets les gaz à fond, tu leur échappes! C'est ça, ouais, c'est ce que j'ai fait! Avec les flics, t'as les pirates aussi! Enfin, moi je pense que c'est les flics qui te scannent et après, les mecs qui s'approchent, ils te tirent dessus! Excusez-moi, j'ai ici. Hein. Va mourir, quoi. Va mourir. T'as, mais j'ai un crime stat, foiré de ses morts. Voilà. Si tu veux, on ira tous ensemble après la base. On prendra 5 minutes pour aller te sécuriser l'accès au terminal pour hacker la police. T'as une base de police abandonnée, on m'a dit que vous pouvez y aller pour. Ah bon pour, ouais. Pour s'enlever le crime stat. Ils ont en fait. C'est en c'est dehors de carrière de désaffectée et ils ont oublié de débrancher les systèmes informatiques. Ah d'accord. Et du coup il y a souvent des mecs qui traînent un peu louches là-bas, forcément. Donc vaut mieux pas y aller. On fait tout seul. Ouais, non moi je sors pas là, j'ai pas envie de tout foirer alors que les mecs sont en arrière. Oh, on y retourne. Donc après. Donc alors tu dis. Ouais. Hop. Ouais, ah, Barnabas. Attends, faut que je sorte de ce truc, faut que je retourne dans. Barnabas. Okay. Le accept. Barnabas. L'autre côté de la planète. Non, mais. Raitus, c'est ça? Raitus, ouais. 7000 contrats spécifiés. Ah, ouais, merde, c'est de l'autre côté de la planète. Ouais. Bon, déjà, il a quoi ton vaisseau? Mon jeu a encore crashé et fait crasher mon PC pour la troisième fois de la soirée. Ah merde. Ah, je peux quantum directement dessus, qu'est-ce que je fais? Je le fais? Bah ouais. On tente le coup, au pire. Ah, ça fait pas un bisou à la planète, c'est parfait. Ah bah parfait, on va faire ça aussi. Ça fait pas un bisou à la planète? Non, non, non. Ça fait pas le bisou. Ah non, c'est bon. Ah putain, c'est bien fait ça. Ça oui. Ah merde. On a trouvé une bonne chose, une chose de bien faite. Moi j'espère. Ouais. Par contre, à l'approche, on y va mollo parce que. Mollo filo. Les tourelles antiaériennes et tout ça vaut mieux qu'on soit. Oui. Oh, je sens que ça va bien se passer. Oh, je vais faire un bisou. Non. Oh, si. Je le sors bien le bisou. Oh putain, c'est pas possible. Je vais m'approcher à une dizaine de kilomètres. Dizaine de kilomètres? Ouais. Sur Ragboy, t'es le premier plan. Sur ma map, j'ai plus la planète, j'arrive pas à sélectionner, je peux pas sélectionner. Double clic droit, ça dézoome sur le cran. Par contre, j'ai plus que 28%, quoi, franchement. Ouais, mais tout bas. On te ramènera si t'as plus de. Ouais, c'est clair. Je crois que t'as pu. Tu peux passer devant, quoi. Tu vas trop vite. Je suis à 190, moi, pas plus. Waouh, je me rapproche trop vite là. Ah c'est bon, 30 km. Ah, j'ai quelqu'un, c'est toi, Rayboy, sur le côté, je pense. Ouais, t'es où? Okay. Ah oui, je te vois là-bas. Et à ma gauche, j'ai c'est Tony et Lister sur le Vanguard. Ouais. Le seul équipage multicrew de la soirée. C'est ça. Allez, Eliminate Hostiles, j'espère qu'on va pas non plus se faire défoncer dès le début. Mais non. Ah bon, l'armement, c'est. Le serveur est en full, c'est baisé pour moi. Merci. Merde. Si tu vas insister, ça va marcher, t'inquiète. Ouais. Sauf si t'as pas envie après, mais. Bah non, mais c'est pas ça, mais voilà, vous avez déjà pris la mission, vous êtes parti dessus. Bah on peut t'attendre, si t'arrives à. On peut t'attendre, on n'y croit pas. Par Hearthstone, on sait jamais. La mission, on peut attendre, hein. On est à 10 bornes, on. Je ralentis, moi. On regroupe. Mais carrément. Ah, mais. Oula, on commence à voir les effets de. Ouf. Ouais. De quoi? Du Hoover? Ouais. Ah oui. Ah ouais, dès que tu coupes les gaz, ça te redresse. Ouais, ah oui. Je suis tout dressé là. Ah mais, c'est pas possible, ma map elle est buggée.
Ah, je suis quand même à 7 bornes. Non, mais allez-y là. Mais non, Banja. Insiste, ça va fonctionner, t'inquiète. Allez, mon bon, t'en as pas fait tout ça pour rien. Faut pas que tu sois dégoûté de ce jeu. Pour une fois, on arrive à. Regarde, on arrive à jouer avec Crackboy. Ouais. C'est lui qui a toutes les poisses. C'est ça. Voilà. Si lui qui arrive, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Exactement. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, c'est comme ça. Ça tire. Ça tire où? Ça tire sur un de vous deux. Non. J'ai vu un missile partir sur vous. Ouais, ah oui, sur la droite. Ouais, sur la droite, il y a des trucs qui volent. Oh putain, oui. C'est nous. On est d'accord. Donc moi, je passe bien mes 10 km. C'était nous, Lister. Croche-toi. Putain, mais vous êtes où, là? Vous êtes... Moi, je m'intéresse derrière une petite colline, tranquille, pour éviter de me prendre tout ce qu'il y a dans la gueule. Ouais, je pense qu'on va faire pareil. On va rejoindre Kevin. Ah bon? Je sais pas, mais vu le truc que j'ai vu partir sur un de vos vaisseaux, ça te donne pas envie d'approcher. Ouais, sinon, on se met en rase mode derrière une colline. Ouais, c'est ce qu'on peut faire. Hein. Sur le côté gauche, il y a l'air d'avoir un grand canyon avec une grosse colline. On t'entend mal, Ray. Ah, ah bon, pourquoi? Ah, je suis désolé. Je sais pas, ton micro qui coupe. Ouais, mais c'est pour éviter. Tout se passe bien, David. Pour éviter certains bruits. J'arrive pas à sélectionner le lieu de la mission. Ça me gonfle. Je suis sur la carte et j'ai que dalle. J'ai même pas Stanton qui apparaît comme planète, alors je peux même pas sélectionner les lieux de. Si tu fais double clic droit, ça. Bah ça me remonte au niveau du système, mais j'ai pas la planète après. Je voudrais sélectionner la planète pour avoir les lieux après, je peux pas. Ok, tourne, t'es peut-être pas dans un bon angle. Tu laisses mon molette cliquer. Je vais tourner dans tous les sens. Et tu vois aucune planète? Je vois une planète et quand je clique dessus, ça se met à trembler dans tous les sens et que dalle. Oh après. Putain! Il fait une crash. J'arrive pas à... T'as trop zoomé peut-être. Peut-être t'es zoomé. Ah non, justement. Ah, ça y est, putain, je crois que ça marche. Alors il faut aller où? Ah, c'est leur map, elle a chier aussi. Ah ouais. Ah, mais ça, faut qu'ils le refassent à zéro, ça. Bon, en fait, les mecs de l'interface, je crois qu'ils sont pas bons, quoi, c'est tout. Bon, j'avance en rasmote, mais en fait, je sais pas pourquoi je fais ça. Et surtout, pourquoi je ralentis pas. Je prends de la vitesse. Franchement, pour l'instant, on regarde. Oh putain, le con! Quoi? J'ai dépassé. Je suis en. Je me fais tirer dessus. Ça tire. Ah ouais, ça tire. Ouais, t'es à côté. Il faut aller où? Je fais mitrailler la tronche. Ah oui, j'ai plus de bouclier. Ah, Barnabas. Barnabas, tu peux avoir un point qui est. Aïe, j'ai mal. Putain. Bon, je vais me poser. Non, j'ai la grille. Fais gaffe à toi, il serait con cool de perdre. Non, non, bah, t'inquiète, de toute façon. Et voilà, et vraie merde. Pose-toi, saloperie. Pose-toi. Il se fait mitrailler la tronche. Il veut pas descendre. Le vaisseau veut pas descendre. Ah, bah, j'ai peut-être plus d'elle. Ah, oui, j'ai plus rien. Bon, ok, on va dirige vers un rack. On rase mode. Voilà. Ouais, ça y est, c'est posé. Pose-toi, pareil de merde. Quitter, exit to ship. Voilà, allez, on sort, on se casse. Casse les couilles. Parfois, ça déroule mal, hein. Écoute, faut toujours des dommages collatéraux. C'est moi. Tiens, je vous balance mon. Ouais, il continue de tirer vers toi. Excellent. Je leur ai balancé mon vaisseau, comme ça, le vaisseau il fonce vers eux. C'est toi qui tire, les stars? Ouais, j'essaie de tirer. Regarde, mon vaisseau il est attiré vers eux comme une. N'importe quoi. Tire dans la montagne. Mais c'est quoi ce viseur? Putain, mais le mec, faut qu'il change de métier quoi. Non, mais c'est en fait, maintenant ils ont rajouté les attachments. Oui, non, mais le viseur point vert il est dégueulasse. Ou alors c'est moi qui ai des problèmes de vision, c'est tout est flou. Salut. Si je vous dis que je suis APO, vous me croyez? C'est possible ça. Ah bah au moins t'es là. Tu perds du rayon entre nous ça. T'inquiète, j'avance tranquillement vers la. Je suis à 1 km. Mais apparemment les DCL sont capables de tirer sur les fantassins donc. Bon, ça c'est mon vaisseau. Quoi, les DCL sont capables de tirer sur les fantassins? Bah apparemment, ouais, c'est ce qu'on m'a dit hier. Par contre là ils tirent plus dessus là. Ils tirent dans le mur. Mister. En fait, dans la planète. Ah. Est-ce qu'on en profitera pas pour faire un premier passage, Lister? Apparemment, faut les défoncer. C'est joueur.
On va attendre Adrit et Pange. Voilà, on va peut-être se mettre en... Alors... Atterri, moi je vais me chercher à boire. Fringoy, on revient sur nous, hein, si tu veux. Non, 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 je... J'ai observé la zone. Éclaireur. Mais j'arrive à rien sélectionner. Dès que je clique sur un truc, ça me dit comme tout l'icône et je peux rien faire. Ça fait n'importe quoi. Ah, quand tu, tu vois pas l'icône tu... Non, mais si, si là une beacon à nous, c'est bon. Ah oui. Jump sur une beacon à nous. Mais je peux pas, je suis trop près, je peux rien faire. Bah, ressort. Ça va pas sauter sur toi. Ressort de l'atmosphère aussi. Je vais me cracher sur la planète, ce sera fait. Mais non, mais ressort de la planète, de l'atmosphère. Ah, j'essaye de descendre dans l'atmosphère, mais là, ça prend 3 jours vu que je peux pas quantum. Ça va bien se passer. Eh non, mais il y a des trucs quand même, pour moi ça fait partie des fonctionnalités de base, ça peut fonctionner. Sans ça, le jeu... Quand t'es dans l'atmosphère, tu peux pas faire de quantum. Le seul point que je peux sélectionner, c'est un point qui me dit accessible uniquement par quantum travel. Donc, Oui, d'accord, mais ça veut dire que t'es en haut à droite, t'as toujours... Tu dis si elle dit que t'es dans l'atmosphère ? En haut à droite, non, ça me dit rien. Puis comme je vois même pas sur la carte ou quoi que ce soit, je peux même pas me diriger vers vous. Merde. Ah, ils sont même pas les seuls à essayer de faire ça. Mon vaisseau, il avance tout seul. Il y a pas une touche pour ça ? Ouais, je sais. Ouais, c'est normal. Ouais, mais c'est énervant. C'est ouais qu'il cruise, qu'il te maintient une vitesse. Bon, bah, je suis bon à partir, je pense. Ouais, si, c'est toi le Hondo. C'est Kevin pour moi. Ah, ça y est, tire sur moi. Ah, c'est Kevin, mais d'ailleurs, c'était pas sur Kevin. Ouais, c'est ça, moi. Vas-y, te fais tirer dessus. Ouais. Moi aussi, il apprenait à tirer déjà. Pendant ce temps-là. Ouais, pendant ce temps-là, ouais. On joue à Rugby, tu dis ? Ah, mais si on va sur Rugby avec le vaisseau, là, on... Non, non, pas avec le vaisseau. Il va à pied. Ça va 500 mètres. En véhicule, vous avez pas ? Ah bah non, il n'y a pas. Bah non, on n'a pas embarqué de véhicule. Vous voulez qu'on y aille à pied, ça se fait. Ouais, ouais, si vous voulez. Non, non, mais en fait, les tourelles, elles tirent dans la montagne en face de moi. Il y a Kevin, je crois, qui tire dessus. Ça fait rien. Je vois rien. Mais bon. Je suis à côté et il ne me voit pas. Alexister, on va commencer à tirer. Alors, pendant ce temps-là, ton Rugby, tu vas pouvoir avancer normalement incognito. Ouais. Combien de kilomètres qui t'ont chopé, Rugby ? Oh, bah, à partir de. Attends, 500 plus 1000. À 1000 mètres. Un peu moins. Un peu plus, pardon. Un peu plus ? Ouais, mais c'est pareil, j'ai eu aucune indication qui me tirait dessus, si ce n'est qu'en haut à gauche, je voyais des boucliers qui diminuaient, mais pas de son, rien qui me disait que ça tirait dessus. Ok, on tire dessus. Ouais, là où il tire dessus, là. Ça y est. Ici pour l'aventure ou pas ? Là, ils sont... J'essaie de changer, en fait, les tirs de l'autre tourelle, qui tire sur vous, en fait. Ouais, enfin, elle tire sur le sol. Hein. Ouais, mais... Ouais, elle nous fait pas trop de dégâts. Ouais, c'est non. Si je suis pas du bon côté de la planète et il me fait chier, il veut pas faire le tour. Il veut traverser au centre. Ouais, mais si tu fais... Nous, on a fait un quantum direct dessus. Et ça passait, ça devait faire le tour. Là, tu vas t'en prendre plein la gueule, Kevin. Non, il me touche pas. Ah bon ? Ça recommence, ça. Bon, il est mauvais, hein. C'est bon ? J'essaie de t'en éloigner. Il tire sur vous ? Ah, moi, j'en ai jamais eu. Ah non, ça s'est pas tiré. Putain, oui. Oula, oula, oula. Bouge pas trop, Tony. Ouais, mais prévenez parce que là. Oh putain, il y a le over mode. Attends, je. Quoi, ouais, tu prends cher là. On va repasser. Le problème, c'est que tu vois pas où ils sont. Si, putain. T'as pas le zoom. Faut qu'on fasse une passe, mais. Ah si, ok, t'as le zoom, c'est ça. Bon, on sera pas trop près du sort, sinon le over. Vous savez, ce qui manque, c'est vraiment des jumelles. Moi, ça m'aurait bien aidé des jumelles là. Ah putain, cet angle était tout pourri. Ouais, j'arrive pas à tirer au sol. Ah, par le côté. J'entends un vaisseau à côté, c'est vous ? Ouais. Putain, ils m'ont touché. T'es au milieu de la base ? Bah, je suis presque. Ouais, je suis à côté de Cactus là, je suis pas loin.
Joe Lister qui tire sur le mur en face. Ah, c'était moi ça. Oui, c'est ça. Ah, Tony, pardon. C'était la tourelle fixe que j'ai eu en tant que pilote. Ok. J'en ai eu une DCA. J'en ai eu une. Je sais pas combien il en reste. 3. J'en ai 4 encore. Oh putain. Je sais pas si. Je vais quitter cette putain d'orbite, c'est pas possible. Ah, le bouclier est solide là-dessus. Ouais, il a l'air bien solide le bouclier. Bon, je sais pas si vous me voyez, j'ai allumé ma lumière. Bon, moi je vais atterrir parce que. Je suis à côté de quelqu'un. Je suis rassuré parce que le bouclier a quasiment rien pris. Pourtant, je suis allé plein de face. Bon, bah, cette fois-ci, je crois que je vois une DCA. Elle me tire pas dessus. Ah non. Oh là là, mais. Je vais peut-être me planquer là. Si Tony, tu rates ton tir, tu me descends. Tu passes 3 heures à essayer de sélectionner ta putain de fois sur la table. Oh putain. Oh, tu vas toucher. Et t'as touché. Non. Vas-y, repars du bon sens en plus. Tout va bien. Ce cul. Un pilote. Je vous ai dit un pilote. Ok, je suis à l'écoute. Écoute, t'as défoncé une DCA. Deux DCA. Trois DCA ah, sont mortes. Il en reste plus qu'une. Allez, les stars. Attention, Rackboy, hein, close tir. Close ouais, pas. Ouais. Oh putain. Oh, oh oui. Pas ce caillou. Bah oui, il y a un caillou là. Kevin, t'es où toi? T'es à pied? Non, c'est François. C'est sûr, pas me rapprocher. Super ah, boulot. J'ai plus de mine. Ah. Il est où le DCA, vous savez? Sur le toit. Sur le toit de la. C'est la seule qui reste? Ouais, c'est la seule qui reste. On n'est pas bien, on n'est pas bien. Posez-vous, posez-vous, elle fait rien là. Elle est pas gênante. Sur moi. C'est ouais, sur moi, là si, si, elle tire dans ton angle à toi. C'est pour ça, pose-toi et laisse tomber, quoi. Donc, une DCA de péter, là. Là-bas aussi. J'ai l'impression que j'ai pris cher. Que je pue. Visuellement, j'ai pas l'impression qu'on ait pris de temps aussi cher que ça, mais à piloter, là, je sens que... Eh oui. Ça va bien se passer. Il reste une DCA. Allez. Ouais, mais c'est pas obligé, hein, je te dis, elle ne touchera pas là. Ah, par contre, le container, l'ouverture de la. C'est ouvert. Bon, bah, je suis au niveau de l'entrée, moi. Ok. Ça sert à rien, posez-vous. Attention. Oh putain. Oh putain. Ok, j'ai un problème avec mon vaisseau, il vient de s'éteindre. Tu lâches les flares, toi. Trop l'habitude. Bah moi j'ai mon vaisseau qui est en train de cracher là, je sais pas ce qu'il lui prend. Merde. Ah merde, putain. Qu'est-ce que tu fais, Kevin? Je sais pas, je. Ah, mais c'est peut-être l'overmode, t'as je suis tout seul, non? Viens à pied, Kevin. Je sais pas, il a moitié tout rouge maintenant, j'ai rien compris ce qui se passe. Je suis à 4000 mètres d'altitude et puis il est tout. Tu touches pas? Ah là, tu touches. Voilà, t'as pas touché. J'ai plus de moteur, j'ai plus rien. Bon, allez, Kevin, viens à pied. Ouais, j'arrive. Alors, la réaction qui a explosé. Force éjectée, force éjectée. C'est pas possible, quoi. Ah non. Putain, vous explosez contre le mur. Enfin, le... Ouais. Ah non. Ah, c'est vilain. Terrible, c'est très bon, vilain. Bon, Kevin. On me tire la DCA dessus. Oui, je sais. Bah oui, merci. Change d'angle. Ah, t'es à pied. À pied, elle me tire dessus. Oh putain, j'ai pas de peau. Bon, moi je suis revenu à Port-Lisa. C'est pas de peau. Ouais, bah nous aussi, ça va être pareil. Ah non, mais impossible de choisir un point autour de la planète pour repartir en orbite et revenir de l'autre côté. Le seul truc qu'il me donne là, pour la mission, il veut passer au milieu de la planète, quoi. Et impossible de sortir de l'orbite. Et là, j'étais à 5000 mètres d'altitude, je sais pas ce qu'il a pris, mon vaisseau est devenu tout rouge, il a explosé. Bon. T'attends un spot, Tony? Qu'est-ce que je fais? J'attends, alors? Putain, je respawn pas. Ça. Tu veux que je passe devant? Bon, bah, tout, on va y aller, hein. Allez. Je sais pas comment. Oh, c'est un ascenseur. Ouais, c'est un ascenseur. Bon, j'active l'ascenseur. Non, moi le chargement ça recharge pas. Ah putain. Quelle heure il est? Je sais pas. 22h30. Ouais, j'arrête là.
mais bon là il y a un bug à gauche. Il va me faire abandonner. Mon vaisseau fait bip 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 bip. Kevin, tu marches à droite, tu marches à gauche. Ouais ouais, on fait ça. Ok. Et quoi déjà par là? Il fait bip 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 bip. Je crois que c'est sur la droite là, fais gaffe. Ouais, c'est à droite, j'entends des. Je vois pas où est le problème, Panja. On arrive sur un espace ouvert là. Ouais ouais, j'ai pas copié. Ah, les mecs sont en train de s'amuser à deux, voilà. Voilà. Même c'est un travail d'équipe. Ouais, mais mec, c'est un travail d'équipe. Il y en a qui sont en haut en train de dans les avions, et d'autres qui sont au sol, quoi. C'est ça. Avec l'histoire, on a tout donné pour péter ces DCA. J'ai l'impression qu'à droite, il y a de la place, mais il joue personne. D'ailleurs, je suis désolé, l'histoire, hein, ça. C'est un joueur côté gauche. Non, mais t'inquiète. Côté gauche, en même temps, ouais. Tu vois, c'est là que je. Personne. Ah, il y a un balcon au-dessus, fais gaffe. C'est là que tu te dis, tu vois, d'avoir les gros vaisseaux, les grosses corvettes. Qu'est-ce qu'on fait? On fait ton côté à toi? Ça aurait utilisé. Ouais, on peut essayer, mais je vois okay. Plus bien visuel qu'un rond. Je te laisse ça. C'est un point de spawn dans un lit d'un porte-avion qui reste en orbite de ton truc, tu vois. Ouais, ça peut être cool. Un spawn, t'as juste à redescendre, tu vois. Alors ouais, que là, bon, on part de port Lizard, quoi. En fait, tu vois, moi, tu dors dans ton vaisseau. C'est vrai que oui, je repartirai de port Lizard. Moi, je repars, je lâche pas. Ouais, il faudrait dormir dans le vaisseau à l'endroit où ça nous fera un point de sauvegarde. Bah, faudrait laisser un vaisseau, tu vois. Allez, on avance dans ce sens-là, là. Ouais, en espérant qu'il y a. Ouais, je laisse un vaisseau avec des. Okay. Ça allez. Marche, à plus. Bonne nuit, les gars. Et puis, la prochaine, vous me tenez au jus. Escalier okay. À droite. Ouais, ça marche. Ah oui, il y a un escalier à droite qui monte. Je savais qu'on va faire de la drogue ce soir. Ouais. Et au niveau du ventilateur, il y a personne, c'est bon. Ça serait super bien passé. On monte à l'étage. Ouais, bah on va y aller. Hein. On a toujours une meilleure vue à l'étage, ouais. Pas de picote, pas de cantoum. J'ai de ma copie. Ok, rien à droite. À gauche. À gauche, personne. Autre escalier. Ah, j'ai un garde, attention, je le tue. C'est obligé d'attendre qu'il rebondisse. Je vois pas. Il est sur ma. Bah, regarde où je vise, regarde-moi. Putain, il m'a vu. C'est vrai qu'il va avoir un seul vaisseau, c'est un. Ok, c'est bon, il est mort. Il est mort. Il est mort. Putain. Bouge pas, c'est bon, je lui ai tombé le cul. C'est bon, il est mort. En face, au niveau du pilier. Ok, il y en a plus que 2 sur 4 en fait. On a gagné les 7000 crédits, on aura rien fait. J'ai plus la mission. C'est bon, il est mort. Il est mort. Plus que moi un. Si je suis mort et j'ai la mission toujours. Dans ton journal, tu l'as toujours. Fais gaffe, on a fait du bruit, il doit pas être loin. Moi je l'ai plus, hein. Dans les acceptés, je l'ai plus. Ah, j'ai encore l'option, j'ai même encore les messages qui s'affichent en haut, le nombre de trucs qui restent à faire. Ah non, je l'ai pas. Ok, attends, t'es tout seul. Je recharge le Red Boy. Ouais, je recharge aussi. Recharger pour ma part. Ok, c'est bon, recharge aussi. J'ai perdu, j'aurais 7000 crédits quand même. Voilà. Ah, écoute la mission. Comme si tu y étais, c'est une mission radio pour toi. Alors, bah, je suis en route. Attends, si Kevin. Pas fini pour chercher après. Alors, je vois bien le cadavre que t'as buté. Ouais. Il doit pas être loin. Ouais, il doit pas être loin. S'il reste un truc à faire après, je suis en route, je suis prêt. Tu vois. Toucher le fric. Il y a d'autres objectifs après, tu vois. L'objectif, c'est toucher le fric. Looter les cadavres, il faut que tu prends. Ah, ouais, tu crois qu'on peut looter les cadavres? Ah, oui, il y a un shotgun. Oh putain, derrière moi. Il est où? Je sais pas, mais attends. Putain, j'ai pris son shotgun. Il est derrière nous. Il est contourné. Attends. Ouais, il paraît que ça contourne hein, pas mal. Hein. Ah, c'est cool. Ok, côté gauche. Il monte. C'est toi. Non, c'est pas toi. Non, moi je suis à ta droite, je suis derrière toi. Ok, il est devant moi. Au niveau du tuyau, derrière le gros tuyau. Ok, tu veux que je le descende ou... Ah oui, je le vois. J'ai pas touché. Il se cache. Touché. C'est bon. Tu filmes là. Ok, ouais. Clear hostile, objectif complete. Je t'enverrai la vidéo à Drit quand. Super. Bon, en même temps, il y en avait que 4. Dans le gel. Prends les munes. Putain, il est gros lui. Ouais, il a une armure lourde. Putain, le mec il lui monte dessus, tu le teabag ou quoi? Ouais,
Ah ouais, en plus il bouge son cadavre. Vas-y, est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut violer son cadavre? Oh. Tout de suite. C'est bon. Dégueulasse. Alors, ben on a plus d'objectif ou quoi? Peut-être qu'il y a des caisses à récupérer. On va en voir en bas, en haut, on a vu. Attends, ça se trouve c'était peut-être juste là. Attends, je vais faire un coup de F1. Tout Barnabas, Clear Hostile, c'est fait. Bon, bah, je sais pas. Bah, on va avancer encore. Et la mission, elle est pas finie ou elle est finie? Bah, moi, je vois pas finie. Ok, donc, oh, il y a autre chose alors. Ah, j'ai gagné de l'argent, donc c'est-à-dire qu'on a fait un truc. Ah bon? C'est fini? T'as gagné de l'argent, où c'est que t'as vu ça? Bah j'avais que 75$ et... Ah non, elle est pas finie. Elle est pas finie. Non, non, elle est pas finie. Hein. Pas fini, un autre ouais, truc toujours dans mes acceptés et pas dans historique. Non, non. Bon, on va peut-être descendre. Ouais, ouais. Oh, c'est quoi ça? C'est moi dehors. Ah, là. Putain, t'es venu ici comme ça, t'as tout cligné. Oh putain, il y a un endroit qui descend encore. Serveur non, pod. J'étais à la porte, je sais même pas que... Ah oui, ok. Bon, bah, on go. On y va. On y t'as va. T'as combien de balles? 125 plus 30. Et j'ai pris les fusils à pompe aussi. C'est une sale serveur ici. Ouais. Y'en a rien récupéré? Non, y'a rien. Non, y'a rien. Ok. On peut voir les fenêtres. Non, pas. Bon. On va aller voir ailleurs. Station contrôle. Pierre de site of hostile, bah ouais. Je sais pas. Qu'est-ce que. Ouais, t'es peut-être plus meilleur que moi qu'en anglais, donc. Non, mais tout est validé en fait. Je vais voir en bas. Peut-être qu'il y a des caisses à récupérer, c'est peut-être ça notre argent. Peut-être ressortir. Ouais, ça se trouve, c'est peut-être ressortir. Tu vas vider la base et ressortir, et peut-être que t'auras des mecs qui vont spawner dehors et ça va te faire un. Ouais. Et toi, t'auras une mission genre. Attends, on peut descendre là, non? Ouais. Il y a plein de. Là, regarde. Ok, par là. Ouais, non. Bon. Non, mais c'est peut-être un truc, faut vous diriger à la sortie, vous allez avoir des mecs qui vont spawner et ça vous fera genre un chat. Quoi? Non, non, ah non, c'est mon arme, ok. Non, bon, ok, on va écouter Tony, on y va. Ouais, bon, ça. C'était où? Ils sont perdus, ça. Merde. C'était où? Bah, attends, c'est. Et il s'est perdu dans son propre musée. Faut suivre le petit caillou. C'est ça, on peut récupérer des caisses carrées, là? Pourquoi tu veux récupérer des caisses? C'est kleptomane, Kevin, fais gaffe. Hein. Je sais pas. Écoute, lui, on veut parler d'une soirée où on allait récupérer de la drogue, c'est tout ce qu'il a retenu. Ah, c'est là-bas, je crois, regarde. On vient de là-bas. Je sais pas, il y a des... Si, on vient de là, regarde. Alors, t'es par là... Bah, tu m'as pas vu? Bah, vas-y. Bah, regarde, moi, je suis à l'ascenseur. T'es à l'ascenseur, là? Kevin, bah, attends, je suis là. Ah oui, t'es là, ok. Je suis quand même mitigé sur cette soirée. Hein. Je suis prêt. Je vais aller à côté de moi. Go up. La sortie était où? Là à droite. Ouais, c'est ça. Ah, ta gauche pour toi. Quoi, tu penses qu'on va se faire asmat en sortant? Non, on a pas pété la tourelle, c'est peut-être ça. Ah. Et si je la grenade la gueule à la tourelle? Ça devrait marcher. Ouais, mais elle est un peu loin. Tranquille. Ouais, elle est un peu haute. Ouh, on est sorti. Oh, là. Elle va se retourner, elle va te foutre une. Attends, est-ce qu'on peut peut-être monter dessus? Ah, bah, nous mettre une châtaigne, le truc. Ouais, non, effectivement, je vois pas comment monter. Bon, le soleil se lève, c'est magnifique, mais. Bon. Ah, on peut le tirer dessus, mais je pense pas que ça fait des dégâts, quoi. Non. J'ai pas l'impression qu'il...
Mais tu tires avec quoi là? Avec mon petit pistolet, ah. Je sais pas. Bah en tout cas ton petit pistolet il fait, ouais, il fait un super bruit par rapport à mon pétard. C'est bizarre. Bon. C'est toi Tony là? Ouais. Ok, il y a... Si, si, sur notre gauche, regarde là-haut. Papa. Ah ouais, tout en haut. Ah t'es... Ouais, t'es... Arrête, crie pas comme ça, il t'a pas touché, si? Si, c'est passé à 2 mm. Je m'écarte. Ouais, mets-toi sous les cactus. Ouais, c'est ça. Les cactus, tu tires pas. Allez, vas-y Tony, là. Balance allez, la purée. Bah allez, allez pile sur le toit. C'est ah, sur non, le toit. Non, plus bas. Ah non. Waouh, c'est là. Non, tu les touches pas. Ah, ouais. Bah, j'ai rappelé au moins mon vaisseau. Ça y est, elle se met en ta direction là. T'as qu'à celle-là? Ouais. Bah ouais, y'a plus que celle-ci en fait. Non, non, sur le toit, sur le toit. Oh là là là. Oh là là, la batterie lourde. Oh là là, oui, tout va bien. Oui, tout va bien. Tout va bien. C'est la question. Charging battery. Manu Manja. Tu dis que c'est quoi pour rengainer ton arme là? Tu la vises avec F et tu. Je sais pas, passer place, bah, carry. Ah oui. Mais pourquoi elle me tire pas dessus? Si, elle te tire dessus. Ah si, si. Mais si, elle est trop longue à tourner en fait, elle tourne comme une vache qui pisse. Ah, elle est assez bon là. Ouais, tu es lente. Oh ah oui, elle est over, c'est. T'as perdu une aile. Oh. Si, y'a un bout d'aile qui a volé là. Les ailes, ils résistent ou pas? J'arrive pas à voir c'est laquelle de tourelle. Elle est vraiment au-dessus du bunker. Au-dessus. Sur le toit, ouais. Si, t'as perdu tes ailes, là, non? Non, j'ai dormi. Ah, d'accord. Vraiment sur le toit. Sur le toit. Ok. Je vais essayer de rapprocher par l'autre côté. Celui-ci, je le vois pas. Là t'es bien, un peu plus haut. Un peu plus haut. Un peu plus haut. Encore. Encore. Là. À droite. À droite. À droite. À droite. Non, toujours pas. Là oui, un peu. Allez, voilà, c'est pas mal là. Continue un peu au-dessus. Oui. Oh putain, yes. C'est bon, c'est la musique. Hey, y a la musique, y a le jingle. On a gagné. On a gagné. On a gagné des pépettes. Ouais, là j'ai failli manger un patin. Incroyable. Oh, le patin que j'ai failli me prendre dans la gueule. Bah oui, mais... C'est bon. Dangereux, restez pas là. Ah bah... C'est pas les ordres sur là parce que j'aimerais visiter quand même. Bah ouais. Eh bah c'est cool. Est-ce qu'on a gagné voilà. Quelque chose de plus? Que dalle. Je ne crois pas. Et maintenant, vous êtes recherché par la police. Même pas. Non, j'étais déjà avant. Non. Non, je suis pas recherché. Toujours pas terminé. Voilà, bon. Ouais. Rentrons tous ensemble. Non, on n'est plus que les trois derniers à l'avoir. Rentrons tous ensemble. Ouais. Enfin, peut-être que j'y sois. Ouais. Vu que j'étais de partie des gens qui avaient la mission. Allez. On y croit. On y va. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça crépite au-dessus. Ouais, ça crépite. Et un barbecue qu'on peut se faire. Exactement, avec des grosses saucisses. C'est bon, t'es prêt Tony? T'es dans l'avion? T'es dans l'ascenseur? Allez. Oui. Get down! Non, attends. C'est beau. Bah, je suis quand même content d'être venu. Voilà, j'ai l'air. Et si tu veux, on te fait les bottes. Tu refais la mission. Nous, on tire au plafond. Et puis tu nous tires dessus. Malgré tout ce qu'on a pu faire avec Tony et Kevin, et même Banja et David, bah, c'est un échec. Pas de validation. On peut remonter. Hein. Ouais. On a gagné que 1000. En même temps, peut-être qu'il faudra le faire tout seul. Je sais pas. Tu penses que ça a été partagé? Bah ouais, moi j'ai peut-être... Non. Tout le groupe?
Non, puis même de toute façon, il n'y a pas de validation qui est faite donc. Non, moi j'ai rien touché du tout et j'ai toujours un maquette. Je pense que ouais. C'est juste. Ok. Ça, donc disons que. Voilà, que Kevin, sa quête elle est validée. Je peux pas sortir. Voilà. Ah, ça crépite bien toujours. Ouais, ça crépite bien. Ouais. Et moi, ma quête, eh ben. Ah bah. Est-ce que j'ai le bug du. Non, ok. Et bien moi, ah bah, elle reste toujours en accepté. Ouais. Et tout est validé pourtant. Bizarre. Vraiment prompt. Bon, et bah c'est un échec. C'est triste. Eh oui. Bon alors Tony, qu'est-ce qu'on dit? Ouais, bon, dans le sol. Un petit pouce vers le haut, un petit sub. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça coûte rien. Et puis pour remercier les talents de Tony de ses tirs, ouais, moi aussi je m'enfonce dans le sol, un petit pouce vers le haut. Voilà, on aura tout dit. Et la prochaine fois, promis, on la fait tous ensemble. Quitte à diviser 1500 par 4 ou 5. Allez, ciao, ciao. Ciao.